Salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Bounty Rush. La mise à jour est arrivée pour le Bounty Festival et quelques nouvelles fonctionnalités sont là. Ne vous inquiétez pas, on va également invoquer, mais tout d'abord, on va parler des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées. Tout d'abord, il y a eu l'ajout d'amis. L'ajout d'amis qui est très important, on peut dès maintenant faire des parties amicales. Malheureusement, pas encore de partie en ligne, on peut pas encore inviter des gens pour faire des ranked, etc. Juste des parties amicales, c'est-à-dire casual et tout. Donc, il y a énormément de gens connectés, c'est pour ça que ça mérite autant de temps à. À tout simplement à trouver à charger. Donc voilà, si vous voulez m'ajouter, c'est ici. Comme ça, on fera des petites parties. Je vais voir si on peut faire des. Si on peut être en spectateur pour justement commenter, etc. Parce que c'était le projet de base à la création. À la création de ce style de truc. Ils ont aussi ajouté le mode auto pour certains modes comme le survival. Attendez. Donc c'est ici. Donc auto off. Et ça fait longtemps qu'on le réclamait. Pas seulement pour ce mode, mais pour la plupart des autres modes, etc. etc. Il y a eu aussi le retour des missions débutantes. Attendez, ça charge, ça met un peu de temps, faut laisser. Donc on peut récupérer un ticket en or plus 60 à 70 diamants. Si j'ai, on va dire entre 50 à 70 diamants récupérables dans les missions plus un ticket en or. Donc ça vous fait une petite multi gratuite pour le Bounty Festival. Et y a rien d'autre a priori. Donc on va directement aller invoquer. Même si c'est pas un truc à étape, on va se faire plaisir un peu. Même si c'est pas un step up, on va se faire plaisir. Donc probabilité des 4 étoiles à 7%. Il y a le nouveau Kinemon du clan Kozuki. Et il y a le Philo ou l'Alliance des Pirates. Comme j'avais dit hier pendant l'analyse des persos. Donc que font ces personnages? Détail. Donc maxé à fond. 8600 points de vie. Sans les pièces, 2200 en attaque, 2012 en défense, critique plus 11%, compétence maxée, radio knife, donc étape 1 au niveau 5. Attaque de compétence 377, taux d'activation de restauration impossible de 100%. Ouais, donc c'est ce que j'avais dit. Restauration de vie, c'était impossible. J'avais dit regène, donc je me suis mal exprimé là-dessus. Donc c'était l'activation de restauration de vie d'HP impossible à 100%. Durée de l'effet de restauration impossible pendant 45 secondes. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Def moins 10%. Et durée de l'effet de 20 secondes, temps de recharge 22 secondes. Ça va, c'est super correct. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis. Probabilité d'infliger et ouais, donc ouais. Anti-déséquilibrage et tout. Donc la deuxième compétence, c'est celle qui nous intéresse le plus. Attire, ajuste devant soi l'ennemi le plus proche se trouvant dans un cercle de rayon de longue portée. Probabilité d'infliger étourdissement. Étourdissement. Ah, sur le gameplay, on n'avait pas vu ça. Aux ennemis à courte portée, puis inflige des dégâts de courte portée aux ennemis. Probabilité d'infliger des brûlures. Ouais, donc ça, j'avais dit. Et un effet anti-déséquilibre pendant un certain temps. Après activation de
la compétence. Taux d'activation de l'étourdissement pour les gens qui se trouvent à courte portée. 100%, étape 1. Durée de l'effet de l'étourdissement, 3 secondes. Étape 2. Attaque de la compétence 807. 807 de dégâts. Sans penser à l'arbre de... Enfin si, l'arbre de compétence était maxé, donc forcément si. Taux d'activation de brûlure 100%, durée de l'effet de brûlure 8 secondes. Et étape 2, dégâts de brûlure 90... de quoi? Ça, je... Attends, c'est quoi ça? Ah ok, dégâts, les dégâts c'est de 90 de dégâts par 1 seconde. Temps de recharge, donc ça c'est la capacité ultime. La capacité ultime est de le cooldown est de 44 secondes. Donc en soi c'est correct. Les effets sont incroyables pour les deux trucs. Anti-heal et anti en plus brûlure. Plus effet anti-déséquilibrage. Donc faut y aller. On va directement aller invoquer là-dessus pour voir un peu ce que cela donne. Mais avant d'invoquer, je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus et à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Sur ce, commençons directement. 3, 2, 1, go! On est bien sûr sur le compte principal. Le compte principal, c'est-à-dire le compte le plus élevé, même s'il est niveau 26 et que le niveau maximum, ça doit être aux alentours de 80. Ok, pas d'animation 4 étoiles garantie. Pourtant, le taux de drop, il est assez élevé. Hein. Ok, Alvida. Yosaku. Usopp, Kobe, Okti, oh là là, je sens pas la moque. Alvida, Johnny Hallyday. Ouah, elle est dégueulasse la multi par contre. Ah, ils abusent un peu. Ils abusent du bail. Bon là je pas, j'en passe quelques-uns niveau 100. Malheureusement, c'est pas famé tout ça, c'est pas famé. On va terminer avec quelques singles. Ça met toujours du temps à charger comme ça casse la tête. Ça met extrêmement de temps à charger. Ok. Ok, allez. Ça m'en fait 6. Allez, s'il vous plaît, là. Ça va 2004 heures. Recommencer. Si j'arrive à le choper en single ce perso, mais c'est incroyable, vraiment. Ok, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais. Oh, allez. Toujours pas. Faut que je chope. Hein. Pourquoi c'est toujours Franky qui arrive là? En plus, il est éclaté. Mais où ce taux de drop de 7% là? Je le vois pas. 7%, normalement, c'est énorme 7%. Toujours rien. Skip. Plus
que deux singles. Quoi, c'est incroyable. Ils abusent un peu là. Là, c'est sans vocation, elle était dégueulasse. Hein. Donc voilà, si vous voulez m'ajouter, comme je vous l'ai montré au début, vous pouvez m'ajouter. Comme ça, on pourra faire des petits trucs pendant le live et tout. Cette nouvelle fonctionnalité va nous permettre tout simplement d'être tranquille. On va basculer sur notre second compte pour invoquer une petite multi au calme, tranquille. Donc, c'est où? C'est là. On va basculer. Donc, je coupe, je reviens dans 2 secondes. Allez, à tout de suite. Et me revoici, me revoilà. On va partir directement invoquer là-dessus pour voir un peu ce que cela donne. Si j'ai plus de chance ou pas pour choper le... Tout simplement, le Kinemon. Non, pas le Kinemon. Le Luffy Alliance Pirate. 3, 2, 1. On y go, allez. Par contre, on va économiser les autres singles pour le reste. Oh, je la sens pas du tout. Oh, le taux de drop, il est un peu éclaté quand même. Que des persos 3 étoiles depuis tout à l'heure. Ah ben non, du coup non. Oh, ils abusent à aller en skip. Ah, c'était sûr qu'on allait rien choper, frère. Ils abusent. Oh, c'est quoi ce taux de drop? Ils ont dû mettre un step-up là-dessus. Bon. Le Bounty Fest qui, malheureusement, est un échec pour moi. Et le reste, on va l'invoquer, on va l'utiliser plus tard. On va aller farm petit à petit. On verra ce que cela donne. On va économiser ça. Malheureusement, il n'y a rien eu de potable. Mais c'est pas grave, parce que on a nos nouvelles fonctionnalités. Et je vous laisse sur ça. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Venez me rejoindre sur mes réseaux, les gars. Dans mon Discord, on parle du jeu, on parle de tout. De Kimetsu, des nouveaux jeux qui comptent arriver, My Hero Academia, on parle de Naruto Ninja Trips, pour ceux qui débutent, pour ceux qui ont besoin d'aide. Et si vous avez besoin d'aide concernant ces jeux-là, venez me rejoindre sur mon Discord qui est en description. Sur ce, ciao. Et à 16h pour une nouvelle vidéo sur Ninja Trips. Sur ce, peace, prenez soin de vous.